KKR à la rescousse de Takata. D'après la presse nippone, le fonds d'investissement américain pourrait racheter les 60% de la famille fondatrice du fabricant japonais d'airbags. Cette offre serait toutefois subordonnée au feu vert de la clientèle de l'équipementier automobile. Takata a besoin de se restructurer pour survivre au scandale des airbags défectueux impliqués dans 13 décès à travers le monde. Les rappels de 100 millions d'exemplaires ont plongé ses comptes dans le rouge. L'intérêt de KKR a fait flamber l'action Takata de plus de 21% à Tokyo.